Allez, bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Comme vous remarquerez peut-être, l'écran est choup, un tout petit peu plus grand et vous pouvez voir nos amis qui sont derrière moi. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Allez, comme d'habitude, si vous voulez bien, je vais dire bonjour à tout le monde. J'avais mis un lien pour une chanson parce que je vais vous demander pendant le cours de m'écrire une petite phrase tout à l'heure. Pas tout de suite, mais il y a un lien pour une chanson d'un artiste que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelle Vianney. Alors d'abord, Yossi, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Vous, Slat est là. Gio est là. Victoria Possé, bonjour. Pour Mima. Et là, Trinetra est là aussi. Stardust est là. Omar, bonjour, bonsoir. C'est vrai que c'est vendredi. C'est vendredi et Omar, il aime bien le vendredi. Je m'en souviens. Sundar est avec nous. Sophia X est là aussi. Cosmina Bellou est là. Qui est-ce qu'il y a d'autres? Victoria Jacques, bonjour et bonjour, ça fait 4. Eh ben, incroyable, 4 bonjour, est-ce raisonnable? Je ne sais pas. Olga Ruiz est avec nous, pour Mina, je l'ai dit. Beaker est là, Hilary Owell, bonjour. Yann Arte est là aussi. Mathis Fond est avec nous. Berilla 71, Lan Maya aussi. Cheryline s'est réveillée ou ne s'est pas endormie. Dainora est là aussi. Voilà, je crois que j'ai dit oui. Est-ce que tout le monde est là? Un Mambo est là aussi. Et Hen 70, merci beaucoup en tout cas. Nous allons commencer. Bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le like, c'est votre mission absolue. Souvenez-vous, notre objectif, c'est d'atteindre les 100 likes, c'est possible. Alors Trinetta, qu'est-ce que tu es fou? Mais je ne sais pas, c'est une bonne question, avec un point d'interrogation, Trinetta. Allez, Fabio Pasta nous rejoint aussi. Et eh bien, c'est à vous la parole. À vous la parole, regardez. Quel est l'aliment qui vous apporte le plus de plaisir? Quel aliment est-ce que vous mangez finalement principalement par plaisir, parce que vous aimez ça, parce que vous trouvez que c'est incroyable? Allez-y. Alors, Johan Emmanuel nous rejoint, bonjour. Alors, et maintenant c'est Mathis Fon qui commence et qui dit directement pizza, la pizza. Faites attention, c'est féminin. Mathis Fon, la pizza. Il faudrait être un petit peu plus précis. La margarita ou alors d'autres pizzas avec beaucoup de choses dessus. Vouslat qui dit le fromage. Je dis bravo, Vouslat. Gio qui dit le burger. Et Mambo qui nous dit ma famille. Ce n'est pas un aliment. On ne mange pas les gens. Le cannibalisme, ce n'est pas bien. Omar qui nous dit les fruits. Sundar qui nous dit du riz. Head 70 qui nous dit le chocolat. Très bien, Gio, il faudrait mettre. Gio, soyez calme, d'accord? L'idée, c'est d'écrire une phrase. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Merci. Cheryline qui nous dit « Je n'ai pas encore dormi. J'aurai 25 ans dans 2 heures. 25 ans !» C'est l'anniversaire de Cheryline. Tout le monde doit lui dire bon anniversaire, Cheryline. Et oui, s'il vous plaît, dites-lui bon anniversaire. On vous souhaite un très bon anniversaire, Cheryline. 25 ans, c'est formidable. Comme dirait l'autre, un quart de siècle.
Mais c'est 25 ans. La crise des 30 arrive. Attention. Tachi, Duri, Cassandra qui nous dit bonjour, bonjour. Hilary Owell qui nous dit des chips. Alex Daniel qui nous dit biryani, d'accord, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, Ravidja qui nous dit j'aime tous les légumes. Stardust qui nous dit la tarte aux pommes tiède avec de la glace. Oh, alors oui. Alors oui, ça c'est terrible. Ou alors il y a une autre version, Stardust, c'est la tarte aux pommes avec de la sauce vanille. Ça c'est terrible aussi, c'est délicieux. Octavio le lapin. Ça, il faudra qu'on en discute de cette histoire de lapin. J'ai été traumatisé il y a quelques semaines par mon lapin. Cheryline des truffes, waouh. Victoria Possé. L'aliment qui m'apporte le plus de plaisir, c'est le fromage. Ben oui, le fromage, c'est incroyable. Beaker, j'adore la pizza, les pâtes et le riz. Eh ben ouais. Gustavo qui nous dit, en Argentine. Ah, vous êtes en Argentine. Bonjour Gustavo, participez. Cosmina qui dit, pour moi, l'aliment que je mange avec plaisir et en quantité illimitée, c'est la salade verte. Alors ça, c'est délicieux. Petite sauce ou pas, après c'est vous qui décidez, hein, je ne sais pas, une petite sauce vinaigrette toute simple. Quel type de salade? Il y a tellement de salades vertes, eh oui, entre la frisée, la romaine, la laitue, il y en a beaucoup. Norsang, j'aime bien manger des momos. Mathis Font qui nous dit c'est la pizza, oui, corrigé. Olga Ruiz, très bien. Sophia X, j'aime toutes sortes de poissons. Très bien. Denora qui nous dit le poisson également. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yossi qui nous dit un bouillon. Alors bouillon ou soupe, je ne sais pas après, est-ce que vous faites des différences? Mais c'est délicieux, c'est vrai. Ensuite, pour Mina qui nous dit, ah non, qui dit joyeux anniversaire à Chériline. Ange Gabriel aussi, mais bien sûr, encore une fois Chériline. Et 25 ans, c'est formidable. 25 ans, c'est encore formidable. Après 25 ans, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Alors, je me souviens que nous avons eu cette discussion hier avec Victoria Jacques. Victoria Jacques nous disait « Je vais préparer un canard à l'orange et après un cassoulet. Des choses formidables, des choses incroyables. » Je me suis dit « Tiens, ça pourrait être sympathique. » Alors, c'est pour Victoria Jacques, mais c'est pour tout le monde. Regardez, si vous voulez partager un moment important, c'est-à-dire avec une photo, ou faire tout simplement une belle photo, eh bien vous pouvez m'envoyer la photo avec un petit commentaire si vous voulez à l'adresse vosphotos@fluenttoplus.com. Si vous envoyez ça là-bas, eh bien avec grand plaisir, je vais publier ça dans le cours et on pourra faire un exercice avec votre photo. D'accord ? Donc envoyez la photo, petit commentaire et on va faire des exercices où je vais tout simplement les montrer et ça pourrait être une façon sympathique d'échanger des photos entre nous. Pas besoin de WhatsApp, pas besoin de Facebook, vous m'envoyez les photos et hop, on les met dans le cours. D'accord ? Merci. Alors, la chanson du jour, j'avais posté, voilà, ça marche maintenant, j'avais posté un lien que je peux recliquer si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter. C'est une chanson de, ah ben non, si ça marche, je ne sais pas, essayez et regardez. C'est une chanson de Vianney, la chanson de Vianney, c'est
pas là, j'aimerais savoir si vous pouvez écrire une petite phrase, ce que vous avez pensé de cette chanson, si vous avez eu l'occasion de l'écouter. Allez-y. Alors, Norsan qui dit « Merci, professeur Vincent, j'ai appris le français avec vous. » Eh bien, je dis « Bravo, buvons du vin pour fêter ça. » Alors, pour l'instant, personne n'a rien envoyé. J'espère que vous écrivez vos petites phrases. Alors, Vouslat qui nous dit « Je n'ai pas encore écouté la chanson », bah écoutez, vous le ferez après, dans ce cas-là, ça n'est pas très très grave. Les personnes qui ont écouté la chanson, écrivez éventuellement une petite phrase. « Mercurialman, je n'ai jamais entendu parler de l'artiste ou de la chanson ». Alors, Vianney, c'est un artiste intéressant parce qu'il n'est pas très... C'est pas quelqu'un qui a été là depuis très longtemps, mais il s'est imposé et c'est vraiment un artiste assez majeur maintenant dans la chanson française. Donc, Mercurialman, si vous ne connaissez pas, essayez d'écouter un petit peu. La voix est intéressante. Les chansons sont aussi assez intéressantes. Victoria Posse, la chanson est belle parce que j'aime le piano, mais les paroles me rendent triste. Il y a la fin. La fin est joyeuse. C'est quelques phrases, mais c'est joyeux à la fin. Mais bon, le piano est sympathique. Piano qui se trouve gare de Lyon, si vous avez eu l'occasion d'aller dans la gare de Lyon, qui est vraiment une gare très très jolie à Paris. Hein. La gare de Lyon qui est à Paris est une gare qui est vraiment très très jolie et il y a ce piano. Et en général, les gens viennent jouer des choses diverses et variées. Lana qui nous dit « Je ne connais pas Vianney, c'est bon ?» Oui, 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 c'est de la chanson. Écoutez, vous aimez, vous n'aimez pas, c'est pas grave. Hein. Hillary qui dit « Je n'ai pas encore écouté la chanson. » Ice Cubes qui nous rejoint. Bonjour Ice Cubes. Qui dit « Je vais écouter après la chanson, après le cours. » D'accord. Mambo qui dit « J'aime la mélodie de cette chanson. » Attention, chanson, c'est féminin. Et donc, ça doit être cette chanson. Dessarlika qui nous dit « Je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter. » Omar, je n'avais pas écouté ce chanteur. La chanson est très jolie et romantique. Alors, oui, oui, c'est un chanteur que je vous invite à découvrir. Écoutez, hein, comme j'ai dit, vous aimez, vous n'aimez pas. Ça, c'est autre chose. La diction, la façon de prononcer est quand même très, très claire. Et donc, si vous regardez les paroles avec, c'est un bon exercice. Et les mélodies sont sympathiques, à mon avis. Bickert, je n'ai pas encore écouté la chanson. Yossi, très belle chanson. Et le chanteur est encore très jeune. Oui, c'est vrai qu'il est jeune. Hein. Il est jeune. Ravija, je n'ai pas encore écouté la chanson. Sundar qui va l'écouter après. Denora qui dit « Je ne suis pas... » Ah, vous n'avez pas écouté la chanson, alors ? Ange Gabriel qui nous dit « Je connais Kenji. » Ah oui, oui, oui. C'est pas le même style, hein. C'est un style différent. Olga Ruiz, « Je n'ai pas écouté la chanson non plus. » Attention, Stardust qui nous dit « Quelle chanson triste, mais à la fin, pleine d'espoir. » Et c'est vrai, Stardust, il faut écouter jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a deux phrases très courtes. Mais on finit sur quelque chose qui est effectivement très, très positif. Donc ça, ce sera pas mal. Allez, merci, on va passer à autre chose. Thank you.
Alors, vous le savez, à ce niveau-là, nous travaillons sur le français familier ou très familier. Donc, la rubrique s'appelle « C'est comme ça qu'on parle ». C'est comme ça qu'on parle. C'est le français familier ou très familier. Attention, attention. Souvenez-vous que, à chaque fois, je le répète, il ne faut pas utiliser ces mots ou ces expressions dans toutes les situations. Souvenez-vous que il faut savoir si le contexte ou les personnes ne vont pas être en désaccord avec ce genre. Donc faites très attention, si vous n'êtes pas sûr, n'utilisez pas ces mots ou ces expressions, d'accord? Mais c'est important de les connaître. Comme d'habitude, on en aura trois. Ça c'est la première, regardez la première. La première c'est « Ziva ». Ziva, ouh, Daria nous rejoint pour le français familier. Vous avez entendu que c'était le français familier, Daria. Allez, Ziva, c'est un grand classique du français familier qui a dû arriver dans les années 2000-2010. Ça a continué, on est toujours là avec cette expression. Alors, Ziva est utilisé pour exprimer l'agacement ou l'énervement ou le dépit. Hein. Vous êtes énervé, vous en avez marre, comme on dit, l'expression c'est « Ziva ». Alors attention, petit exemple. « Ziva, tu me prends la tête avec tes mensonges permanents. » Imaginez quelqu'un vous raconte des mensonges en permanence, c'est un petit peu épuisant, c'est un petit peu fatigant, c'est exaspérant. Eh bien, vous voulez commencer en montrant votre exaspération, votre dépit, votre énervement. Vous commencez avec « Ziva ». « Ziva, tu me prends la tête, tu me fatigues, tu m'énerves avec tes mensonges permanents. » D'accord ? Comme vous voyez, « Ziva », on l'utilise juste comme ça. Donc, imaginez, maintenant c'est à vous, une petite phrase avec « Ziva ». Petite information, vous êtes 104 personnes à regarder. Si tout le monde clique sur « j'aime », c'est-à-dire le petit like, eh bien, nous arriverons directement au 100. Et alors là, je serai un homme heureux. Pour un vendredi, c'est pas mal quand même. Alors, c'est Yann Arte qui a écrit quelque chose, mais alors là, Zigomativa, je ne sais pas ce que vous voulez dire, Yann Arte. Alors, Yossi, et Ziva, c'est bon. Ça, c'est pas mal. France-Nicolas, Ziva, tu m'énerves. Ça, c'est bien. Attention, France-Nicolas, tu m'énerves avec un petit S à la fin d'énerve. Hein. Souvenons-nous, même si c'est du français familier, on doit quand même respecter, eh bien, les règles grammaticales. Victoria Possé, Ziva, quand je vois des gens sans masque en ce moment. C'est vrai. Victoria Possé, est-ce que vous avez entendu ces actualités terribles qui disent qu'avec le nouveau variant anglais du virus, les masques en tissu ne sont pas efficaces? Alors là, c'est un peu stressant. Vuslat Ziva, c'est la 100e fois qu'il dit la même chose. Eh oui, Victoria Jacques, je ne veux pas être en retard pour l'apéro Ziva. Et l'apéro, c'est sacré. Pour Mima, Ziva, je ne comprends pas. C'est parfait. Sophia, Ziva, tu es toujours en retard, dépêche-toi. Magnifique. Ravija, Ziva, tu me rends folle. Ne parle plus.
Daria Ziva, il dit en voyant le palais de Poutine, pas de politique, je m'en souviens. C'est pas grave, c'est juste pour parler du bâtiment. La beauté architecturale du bâtiment. N70, Ziva, arrêtez s'il vous plaît, oui. Nariman, Ziva, je n'aime pas la neige, très bien. Hilary Well, Ziva, j'ai laissé mon portefeuille dans le métro, parfait. Desarlika, Ziva, cliquez sur le bouton pour liker, merci beaucoup, c'est vrai. Lane Maya, Ziva, ton mensonge, c'est pas gentil. Faites attention, Maya, quand vous mettez « c'est », on va automatiquement mettre l'adjectif au masculin. Gentil, d'accord ? G-E-N-T-I-L, pas de féminin. Cathy, Ziva, tu parles tout le temps avec ton ex. France Nicolas, ben je vous en prie. Sarah, Ziva, l'embouteillage m'énerve. Eh oui, ça, il faut pas conduire. Sarah, pas de voiture. Pas de voiture, vous êtes heureuse. Stardust, Ziva avec vos mensonges et voyez jusqu'où vous allez. C'est vrai, hein, faut laisser pousser les jeunes. Allez-y. Cosmina Bellou, Ziva à l'école. si tu gagnes du temps, tu vas te pointer avec 2 heures de retard. Eh oui, c'est vrai. Ça, c'est comme Nicolas tous les matins. Alors, Denora, Ziva, j'en ai assez. Attention. Omar, Ziva. Faites attention, Z avec un Z, Omar. Hein. Je ne peux pas entendre comme les gens pensent, pas les autres spécialement pendant ces temps mauvais. Ouais, Omar, c'est un petit peu long peut-être la phrase. Ice Cube, Ziva, faites des vaccins, nous voulons voyager comme avant. Oui, bah, c'est pareil. Allez-y, n'importe où vous voulez, je veux me faire vacciner. Bickert, Ziva, parfois j'oublie les mots du français que j'apprends. Eh oui. Ensuite, Daria nous quitte pour 30 minutes. Norsang, vous aimez la neige, très bien. Et Sundar nous dit, Ziva, j'en ai marre. Alors, le sujet, eh bien, c'est le français familier. Alors, n'oublions pas de cliquer sur like. Merci beaucoup quand vous arrivez. C'est la moindre des politesses. Allez, deuxième mot, la volaille. Alors, la volaille, normalement, nous parlons de poulet, nous parlons de volatile. Mais quand on utilise la volaille, eh bien, c'est pour parler de la police. Tout simplement parce qu'en français, on utilise aussi les poulets. Donc l'animal, hein, côte, pour parler de la police. La volaille ou les poulets, c'est tout simplement pour parler de la police. Andrea, in this lesson, we are not using English at all. Sorry about that. This lesson will be only in French and tomorrow it will be only in French on Monday. At the same time, it will be in English. Okay? So this one will be only in French. So try to hang on or then just wait and join on Monday. Merci. Alors, la volaille, c'est la police. Exemple. Fais gaffe. Regarde, il y a la volaille qui se pointe. Alors, vous Slat qui dit le flic, oui, mais je parle des animaux. Vous Slat, il y a énormément de mots qu'on utilise pour parler de la police. Mais là, je parle juste pour l'instant des animaux et je parle des volatiles, les poulets et la volaille. Hein, ce sont les animaux. Alors, fais gaffe, fais attention. Regarde, il y a la volaille, il y a la police qui se pointe, qui arrive. Se pointer, souvenez-vous, on l'avait vu, et c'est arriver. La volaille se pointe, la police, les policiers arrivent. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, une petite phrase avec la volaille. Alors, Touloulopé nous rejoint. Bonjour, bonjour. Participez au cours.
Alors, c'est Sundar qui commence. C'est Sundar qui dit « Tu bois plus d'alcool, vite, vite, la volaille arrive. » Yossi, la volaille contrôle les routes en temps de confinement. Et ça, c'est vrai. Dessarlika, si tu fais ça, la volaille va t'attraper. Oui. Cosmina Bello, attention, la volaille s'est radinée dardard pour choper... Le criminel, c'est vrai. Victoria Possé, dernièrement, la volaille a beaucoup de travail, c'est vrai. Ravija, la volaille française est super. Parce qu'on pourrait imaginer l'animal. Mais là, clairement, vous parlez de la police et c'est bien. Les bandits n'aiment pas la volaille. Eh oui, c'est vrai. Hilary Howell, la volaille danse, ziva. Omar, les dernières années, la volaille n'est pas aimée, oui, par les gens. C'est vrai. C'est vrai que la volaille n'est pas très populaire actuellement. Hein. Nariman, écoute, la volaille parle avec lui maintenant. Très bien. Cathy, tu respectes... Ah, tu respectes pas la volaille du tout. Très bien. Stardust, la volaille, c'est toujours là où ça ne devrait pas être. Eh bien, tu fais juste ton boulot. C'est vrai. Et Stardust, avec un doigt toujours. Félicitations, Stardust. Vous, Slat, il y a eu un attentat dans la rue et la volaille est tout de suite arrivée. Effectivement. Ah, Hirorol, attention 22, il y a la volaille. C'est vrai, hein. 22, v'là les flics. 22, il y a la volaille, ça marche aussi. Ange Gabriel, son fils, vendrait du cannabis et la volaille l'a attrapé. Attention, Ange Gabriel, il faut mettre vendait, hein, puisque c'est l'imparfait. Hein. Ça n'est pas le conditionnel. Son fils vendait. Sophia X, nous avons besoin plus de femmes pour travailler comme des volailles. Très bien. C'est toujours amusant de lire vos phrases. Merci. Alors, la troisième chose pour le français familier, eh bien, c'est un verbe. C'est un verbe pronominal. C'est le verbe se viander. Qu'est-ce que ça veut dire se viander ? Deux possibilités. La première qui est bien sûr la plus courante. Et ça veut dire tomber. Si vous tombez quelque part, eh bien, vous allez utiliser se viander. Alors, tomber, bien sûr, ça peut être très très concret, mais ça peut être aussi échouer. Vous voulez faire quelque chose, ça ne va pas marcher, c'est un échec, vous pouvez utiliser se viander, d'accord ? Et la deuxième chose, qui est moins sympathique, clairement, c'est se tuer, mourir, si vous préférez. Alors, regardons eh bien, les deux exemples. Premier exemple, imaginez, vous allez à l'extérieur, il a neigé, ça glisse, vous marchez, mais ça glisse, eh bien, vous pouvez dire, fais attention avec la neige, tu vas te viander. Fais attention avec la neige, sinon tu vas tomber. D'accord ? Ensuite, regardons, exemple numéro 2. Il s'est viandé dans un accident de la route. Il est mort dans un accident de la route. D'accord ? Donc, deux possibilités, tomber ou échouer. Deuxième possibilité, se tuer ou mourir. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, une petite phrase. Vous choisissez bien sûr le contexte et la signification pour se viander. Attention, c'est un verbe pronominal. Il faudra bien le conjuguer. Alors, c'est Dessarlika qui commence et qui nous dit « Attention, tu vas te viander dans le canal. » Ouais, pourquoi pas. Yossi, le coureur, s'est viandé avant l'arrivée
et la médaille lui a échappé. Ah oui, ça c'est terrible, ça c'est terrible. N70, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est viandée. Très bien. Alors faites attention, elle s'est S'EST, hein, N70. Vous slat, j'ai peur de glisser sur la neige et de me viander. Parfait. Nariman, je me suis viandé à cuisiner le gâteau au chocolat. Oui. Cosmina, le boa a serré l'étreinte pour viander sa proie. Alors normalement c'est se viander. On viande pas quelqu'un en général, Cosmina, mais on dira que pour vous, Cosmina, on va faire une exception. Mais normalement, on ne viande pas quelqu'un. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est se viander en général. C'est la forme réfléchie du verbe. Hillary, je me suis viandé quand je suis descendu du bus. Ouais. Hillary, faites attention. Comme c'est un verbe pronominal, souvenez-vous, je me suis viandé, il faudra mettre le féminin à viander, hein, parce que vous devez mettre le féminin comme on utilise l'auxiliaire être. Victoria Possé, j'ai fait très attention de ne pas me viander dans la neige, et c'est vrai que c'est terrible, c'est vrai que c'est terrible, surtout quand ça commence à glisser. Lane Maillard, attention, tu peux te viander, hein, n'oubliez pas le pronom. Tu peux te viander dans la neige. Ensuite, Ravija, il s'est viandé à la montagne. Et après, malheureusement, il s'est viandé. Oh, oui. D'accord. Bah, c'est un peu compliqué parce que on comprend que d'abord il s'est viandé, donc il est tombé, et après il est mort. Oui. Omar, avec ce temps, oui, il est très facile de se viander quand on marche dans la rue. C'est vrai. Denora, je me viande dans la piscine avec plaisir. C'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas? Tout est possible. Sundar, c'est pas une bonne idée. L'échelle, quand tu bois, tu peux te viander et te blesser, ça c'est vrai. Olga, si tu marches sur le sol glacé, tu vas te viander. Il ne faut pas oublier le pronom. Ice Cubes, il sait. Attention, Ice Cubes, verbe pronominal. Donc, pas avec avoir, mais avec être. Il sait, E-S-T, viander quand il marchait parce qu'il a trop bu ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'alcool. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu de vin avec moi? Non! Sundar, monsieur, est-ce que... Alors, attendez. Oh, Sundar, monsieur, c'est tu peux te viander. Non, non, c'est toujours pareil, Sundar. Hein. Je peux me viander, tu peux te viander, il peut se viander, elle peut se viander. Nous pouvons nous viander, vous pouvons... Vous pouvez vous viander, ils peuvent se viander, elles peuvent se viander. C'est vraiment pronominal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est l'infinitif, le pronom doit être modifié en fonction du sujet. Je peux me, parce que c'est je le sujet. Viander. Voilà, j'espère que j'ai été clair, Sundar. Alors excusez-moi, j'insiste, et peut-être que c'est trop lourd, mais vous êtes 121 personnes à regarder, et idéalement, je voudrais 100 likes, s'il vous plaît, c'est votre façon de me dire « Merci Vincent, c'est pas mal ce que tu fais ». Allez, la question du jour. Alors la question du jour, attention, quel est pour vous le plus beau son? Je ne parle pas de musique, je parle d'un son. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un son que vous trouvez spécialement beau? Alors vous pouvez l'expliquer, vous pouvez le nommer et vous pouvez me dire pourquoi vous aimez bien ce son. Allez-y.
Alors, pour le moment, personne n'a rien envoyé. Si, si, si. C'est Ravidja qui nous dit « J'aime bien le son du vent, mais pas le vent fort. » C'est vrai que c'est très, très joli. C'est très, très joli, ce son de vent, mais c'est vrai que si c'est très fort, ça fait peur. Nariman qui nous dit « Le plus beau son pour moi, c'est la pluie. » Parce que ça me calme et ça marche, oui, c'est bien, c'est bien. La pluie, c'est formidable, effectivement, ça pluie. Ouh, il y a un problème avec ma machine, bien sûr, que se passe-t-il? Alors, une petite seconde, est-ce que ça va revenir? J'espère, oui. Comme d'habitude, il y a quelques petits, une petite seconde. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours des choses spéciales qui se passent pendant ces exercices. Alors, je continue. continuons. Qu'est-ce qu'il y avait? Le plus beau son. Donc, c'était Nariman. On avait vu ça ensemble et je dis très bien. Ensuite, alors attendez, Hillary qui nous dit « Le plus beau son, c'est la vague parce que c'est calmant. » C'est vrai que ça calme le son des vagues. N70, « Le plus beau son, c'est la pluie car c'est très relaxant. » Oui. Ensuite, « J'aime le son de la pluie », nous dit Lan Maya. C'est très très bien, effectivement. Continuons avec Olga qui a des petites difficultés, je ne sais pas, la mère peut-être, Ravija, qui est toujours sur Viandé, Omar qui nous dit « Ah non, c'est moi c'est compliqué avec cette machine aujourd'hui. » Bickert, pour moi, le plus beau son, c'est le son du vent et de la tempête est un peu effrayant, c'est vrai. Mercurialman, le plus beau son pour moi, c'est le distributeur de billets. qui me donne de l'argent. Expliquez-moi, il y a un son spécial, parce qu'il n'y a pas de mélodie, non? Georges, le son d'une caisse enregistreuse. Très bien. Ah, on a deux personnes, hein, Mercurialman et Georges, qui sont effectivement très orientés sur l'argent pour ce son, et tout est bien. Victoria Possé, ma chanson... Alors, ça n'est pas une chanson, Victoria, c'était un son. Hein. Un son, c'est un bruit, si vous préférez. Sundar, le plus beau son pour moi est le son de l'eau quand ça coule dans la rivière. C'est vrai que c'est très, très joli. Omar, pour moi, le plus beau son, c'est le son de la mer. Andrea qui nous dit... Alors, Andrea, je pense que le plus beau son, c'est le rire d'un enfant. Eh oui. Oh, ben, ça, c'est vrai. Surtout ses enfants... On n'est pas très objectif, mais ces enfants, c'est probablement les plus beaux rires. Hein. Cathy qui nous dit « J'aime le son du rire de ma grand-mère quand elle rigole. » Oh, ça c'est mignon. Ice Cubes, le son de l'eau, c'est comme une thérapie. Très bien. Olga qui nous dit « Oui, le son de la pluie est très relaxant. » Dessarlika, « J'aime le son de la dinde parce que ça me fait plaisir quand je me réveille. » Mais la dinde des Sarlika, ça fait glou-glou, non? Glou-glou-glou-glou, c'est quelque... Je ne sais pas. Très bien. David Ben, j'aime le son de la plage. Est-ce que c'est... Oui, peut-être que ce n'était pas le son. Hein, faites attention. Vouslat, pour moi, le plus beau son est le son de la pluie qui tombe, car ça me calme. Maya, j'aime le son de la pluie. Stardust, le bruissement des feuilles. Dans le vent chaud de l'été, j'ai envie de voyager et je me demande où était le vent avant. Bah, il était quelque part, on ne sait pas où il est maintenant, mais il est quelque part, on va le trouver. Norsang, j'aime bien le son de la pluie. Cosmina Bellou, pour moi, il y a plusieurs sons qui me plaisent. La pluie, le vent, la mer, la voix des enfants et le chant des oiseaux. Très bien. Dainora qui nous dit « Pour moi, le plus beau son est le son de l'océan. Je peux fermer mes yeux et
faire de la méditation ou méditer. Yossi qui nous dit le son de la mer aussi est très relaxant. Yann Arte qui nous dit j'aime le piano parce qu'il a été invité. Oui, mais Yann, c'est... Oui, bon, d'accord, le son du piano, le son c'est plutôt quelque chose de naturel, mais c'est pas grave. Cheryline, j'aime le son des vagues qui se brisent contre les rochers de la plage parce que c'est très relaxant, ça c'est vrai. Yesero, oui, moi aussi, le son de la neige quand je marche, ce son incroyable de la neige fraîche. Quand on marche, c'est vraiment, vraiment formidable. Victoria Jacques, le bruit de la première mise de la nourriture sur la cuisinière et de la première ouverture d'une bouteille de vin. D'accord. Mais le son de la mise de la nourriture sur la cuisinière, ça j'aimerais entendre parce que c'est pas clair. Hein. Est-ce que c'est poum? Je ne sais pas. Des Sarlika, quand la dinde fait son son le matin, je voulais dire. Oui, oui, j'avais compris. Et Sophia X qui nous dit le son des oiseaux. Victoria Posse, le son de la pluie sans tempête. Alors, je ne veux pas vous accuser. Je pense que mon ordinateur ne fonctionne pas bien parce que vous n'avez pas suffisamment cliqué sur like. Et je pense que l'ordinateur se bloque. Il attend désespérément les 100 likes. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton like. Merci beaucoup. Allez, comme vous le savez, nous faisons toujours les nombres du jour, en tout cas quand c'est possible. Quand c'est possible, il y a toujours des exceptions dans la vie. On commence avec le premier. Le premier, il y aura 3 chiffres et comme d'habitude, je vais le lire 2 fois. Et vous allez bien sûr l'écrire. Mais avant ça, je dois dire un grand merci à qui ? Jeanne. Merci Jeanne, merci beaucoup Jeanne. Jeanne me fait un cadeau et c'est toujours, toujours très gentil. Ça me va directement au cœur Jeanne, merci. Allez, n'oublions pas que nous sommes là pour étudier ensemble. Attention, 3 chiffres de lecture. 542. 542. Eh bien, vous le remarquerez, la machine ne veut pas travailler aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est assez mystérieux. Pour le moment, 542. Eh oui, regardez, la machine s'est complètement arrêtée. 542, eh bien, c'était formidable. Je ne sais pas comment nous allons continuer, puisque comme vous le voyez, ma machine a totalement décidé... de faire la grève. La machine fait la grève. Et la machine qui fait ça, c'est la machine
qui a les PowerPoint et donc je ne pourrai pas continuer notre cours comme ça. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je vais tout réparer pour demain et demain ça va fonctionner. L'ordinateur est fatigué, nous dit Victoria, c'est vrai. La machine est fatiguée. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous dire merci beaucoup, au revoir. Et cette fois-ci, un petit peu comme hier, je vous propose de marcher, eh bien, avec moi dans les rues de Marseille. Merci beaucoup, je suis désolé, mais en tout cas, demain, tout fonctionnera très très bien. Merci beaucoup, au revoir.
Bye.
Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go, the best French teacher on the low. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go, the best French teacher on the low. Learning French is simple and free, learn French with Vincent A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3, subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast, young to old, I am the best. Learning French is simple and free, learn French with Vincent A to Z. Learn French with Vincent today.